Et salut à tous, c'est Tipsyron, je suis avec Valiverne. Salut, salut. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le Secret Transit version Maxis, cette fois la tour de Babel. Donc là, je vous ai mis sur cet écran pour que vous puissiez voir. Regardez, on a maintenant la route transit qui s'illumine en bleu. C'est le secret qu'on a fait la dernière fois, donc c'est Richthofen. Voilà, et pour ceux qui connaissent, si on active la navcard, et ben on a aussi les éclairs bleus à côté. Ça nous active vraiment le secret, donc faudra qu'on fasse ça aussi plus tard. Voilà, donc on a déjà tenté le secret cet après-midi et on a lamentablement échoué. Oui, à cause d'Iran. Non mais n'importe quoi. Non mais en plus, enfin, on était super À bien, cause genre on d'Iran. avait fait tout le secret vague 1 et genre on arrive à la dernière étape et le zombie électrique voulait pas venir en fait. Genre on a tout essayé, le zombie électrique il voulait pas venir. On a passé 10 manches. On a essayé de faire avec l'orage et le mec voulait pas venir. Et au final, on s'est fait tuer comme des cons. Genre, Vali il tombe en émo. Et j'essaye de le ranimer en pensant qu'il avait un laser pour me couvrir. Je lui dis, couvre-moi, couvre-moi. Il me fait, mais en fait, j'ai pas de laser. Et du coup, je me suis fait tuer. Et on est mort comme des bites, voilà! Mais putain, dis-le! Mais putain! Pas avec mon petit. Et on avait passé Ah une maintenant, demi-heure à faire nos on points. Du coup, a... Bah ici, on vient de repasser une heure pour faire. Attends, mais viens, on tue pas, on tue pas, on tue pas, on tue pas. Vas-y, on y va. On vient de repasser une heure pour faire nos points. Parce que vous savez que pour faire les secrets, il faut mettre des points dans la banque, hein, bien sûr. Et on a eu quelques difficultés pour mettre les points dans la banque, notamment Valiverne qui lance des grenades IUM sur les boîtes magiques au moment où j'ai des bonnes armes. Le jeune Valiverne qui s'amuse, n'est-ce pas? Vas-y, viens, on y va à Exactement. pied, vas-y, viens, viens. On n'a pas passé Notamment ces étapes ce pour l'instant. monsieur-là, la Galil, hein? Pour ne pas citer d'armes. Enfoiré. Est-ce que t'as expliqué les étapes, enculé? Ouais, alors les étapes de la version Maxis. Du coup, on va commencer par récupérer nos points à la banque. Donc on a, moi je dois avoir, je sais pas, j'ai plus de 50 000 logiquement, et Vali il a mis quasiment 30 000. Et donc on va récupérer nos points à la banque. Ensuite, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est choper des grenades IUM, mais il faut pas qu'on soit deux à les choper, il y en a qu'un seul qui doit les choper cette fois, donc c'est plus simple. Obligatoire de tous les deux, Ensuite, évidemment. mec, attends, on va dans le bon sens là? Oui. Okay. Non. Je me paume là. Ensuite, il faudra qu'on aille activer le courant puis désactiver le courant. Ensuite, on va chercher des turbines neuves. Oh, j'espère que ça va passer. Ça va pas passer. Ouh, c'est Moi, passé. ça passe, moi. Moi, c'est bon, moi, ça Ah non, passe. moi ça va pas passer. Wouh, j'ai réussi. Putain. Oh, moi aussi. Yes, Les choses mec. tombent. Tous les deux, on a réussi. Ok, ensuite, on va aller prendre des turbines toutes neuves. Ok, attends, laisse-moi faire les 30 points. On va aller choper des turbines toutes neuves et aller sous la tour de Babel. On va poser nos turbines sous la tour de Babel pour créer de l'énergie, mais Maxis va vouloir plus d'énergie, donc il faudra attirer, et c'est là l'étape très chiante, il faut attirer le zombie électrique dans la... Vas-y, go. Dans la tour de Babel. Sous la tour de Babel, donc il y en a un qui doit l'attirer pendant que l'autre lui balance la Après grenade le IUM deuxième. dessus pour le tuer sous la tour, et c'est ça l'étape très compliquée parce qu'il nous tue très très vite. J'ai comme une impression de déjà On prend vu. combien, du coup? On prend, moi je dirais, moi je vais prendre 20 000. Je prends 15 000, moi ça suffit. Prends, ouais, à peu près 15 000, ouais. Comme ça, Je prends 19. au cas où vraiment on foire. Vas-y, sors par contre, hein, sors. Au cas où vraiment on foire, tu vois, on a encore des points. Et voilà, une fois qu'on aura tué le zombie électrique, il suffira de poser deux turbines sur des téléporteurs. Et on aura terminé le secret version Maxis. Voilà. Du coup, on va Ok. Et aller aussi le machin est toujours activé aussi. activer le courant. Vas-y, viens. Viens, on va activer le courant. On y va. Allez. Ouais. On y go. On y go, on y go. Parce que la difficulté de ce secret, c'est qu'on n'a pas le courant allumé en fait, vu qu'on doit l'éteindre. Ça veut dire pas d'atout, ça veut dire pas de téléporteur.
Ça veut dire casse-couille. Voilà. En gros. Viens, on va prendre le couteau de boucher au passage. Il est juste là. Dis-moi si tu trouves la cabane. Elle doit être là. Elle est là, je crois. Ouais, elle est là. Ok, nice. Vas-y, prends le couteau de boucher. Ah, putain de lit. Et voilà, Négri, on... maintenant, on va activer le courant. Oula, ton micro, il est en train de mourir. T'es là? J'avais débranché mon micro. Je me suis dit, il est en train de mourir, ton truc, là. Ouais, j'ai débranché mon micro, ça fait pas. Quel bolos, ce Vali. Ouais, donc le prochain secret qu'on fera sera probablement un truc du style Die Rise ou Burridge, je pense. Go. Au passage, si vous avez pas vu la version Richtofen, je vous la mets à l'écran. Hein. Allez la voir aussi. Les deux versions sont intéressantes. Et si vous avez pas vu la première vidéo qu'on a faite de cette série il y a longtemps, je vous la mets aussi à l'écran. C'est le secret de Mob of the Dead. Avec Optix, je sais plus qui, et je sais plus qui. Tu te souviens toi ou pas? Il y avait Kay Rose. Non. Tu l'as pas fait avec nous toi? Si. Vu que je n'étais pas là. Non? Bah ouais, il devait y avoir Kay Rose. Il y avait et... pas. Oui. Qui ça? Bah oui, de toute façon. C'était pas avec Wadupi? Non, c'était avec Six, je crois. Ah oui, oh, peut-être. Je sais plus. Ouais, peut-être. Oh merde! Attends qu'il sorte bien. Oh mec, j'ai foiré là. Là, j'ai complètement foiré, là. Oh, c'est pas grave. Donc là, on va bien attendre qu'il sorte. Vous voyez ce FDP, là? C'est à cause de lui qu'on est mort. On l'a attendu une heure et à la fin, on est mort. Voilà, donc logiquement, on devrait entendre Maxis qui parle. Je crois que je commence à perdre la boule. Je vois des trucs qui n'existent pas. Voilà. Tiens. Attends. Attends qui parle. Attends qui parle. Écoutez bien. Coupez le courant. Donc on coupe le courant. Parce qu'on est des petits soumis. Et il est content. Bon, cette fois t'évites de sauter dans le trou à l'hiver. Parce qu'on te connaît bien. Oh, si j'ai été... Ah, si j'avais fait le schlag, je me serais mis au bord, je t'aurais bloqué. Ah, il y a le bus, il y a le bus. On prend le bus ou on y va à pied? Ouais, j'étais en train de parler avec mon frère. Ah oui, si, si. Hein. Oui. On prend le bus ou on y va à pied, dis-moi? Parce que là, faut aller au, là, faut aller au diner. Là. On prend pas de risque. Allez, hop, monte. Ok, on prend le bus. Dans le train, dans le bus. Okidoki. Tu veux pas zombie, hein, par contre. Tiens, allez aux fenêtres. Bah lui, on va être obligé, lui. Tiens bien les zombies aux fenêtres. Aide-moi, négro, aide-moi. Là, ça va être chaud de tenir les trois, mais... Ce serait l'idéal. Je pense que... Oula. Je pense que cette fois, on va plutôt essayer de faire... Ah, il y en a un qui est rentré. Cette fois, on va plutôt essayer de faire... Ah, voilà, la double baffe. Ouais, tenir les trois en même temps, c'est chaud quand même. On va plutôt essayer d'attirer le zombie. On va plutôt essayer d'attirer le zombie électrique avec l'orage. Ce serait beaucoup mieux. Là, c'est fort. What? Mec, c'est quoi ça? Là? Tu vois pas? Là, tu vois pas la boule violette? Attends, je vais voir, mec. Je crois que c'est... Ah, c'est le truc de Richtofen, mais regarde, mec. Tu vois pas le feu tricolore, là? Non, non, je vois pas. Tu vois rien? Bah, non, tu verras sur la vidéo, mec. C'est stylé. Yeah, en fait. Bah, genre, il y a une boule violette d'énergie, tu sais, comme sur la tour de Babel. Et là, elle est sur le feu tricolore. C'est un bug, mec. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est stylé. Vas-y, viens, on retourne dans le bus. Qu'est-ce que tu fais là? On va dans le bus.
Faut qu'on aille au diner, hein, je te rappelle. Au dîner. Eh ben bravo. On va faire le synthic. Ouais. On va essayer de tout faire vague 1 comme avant. Regardez ça, comme c'est beau. La tour de Babel activée. Ah, ça se voit qu'on est fatigué. Ah ouais, là on commence à fatiguer là. Attends, il est pas très tard. Hein. Et là, logiquement, si on l'active version Maxis, elle est orange la tour et pas bleue. Et d'ailleurs, c'est bien la version Maxis hein, qui fait tomber les bonus, c'est pas Richthofen. Ah ouais? Ouais, parce que t'as bien vu tout à l'heure, y'a rien qui est tombé. Pourtant, on est resté une demi-heure. Et Quand que ça passe, tu voulais pas parler Bah non, bah, c'est bon, non, bah non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Merci beaucoup, Olivier. Intérieur. Bah viens, on prend nos turbines neuves maintenant. Tu sais quoi? Vas-y, ouvre la porte. Ah, c'est pas moi qui ai ouvert. Ça c'est nice. C'est juste ce que je voulais. Oui, si je voulais vous dire. Ouais, on a enchaîné cette vidéo parce que on a vu que celle qu'on a fait version Richthofen vous a vraiment beaucoup plu. Donc ça nous a fait plaisir. On a gagné pas mal d'abonnés grâce à elle et on a eu beaucoup de retours positifs. Donc ça nous a fait plaisir. On a dit bon bah on enchaîne du coup et on leur fait la version Maxis cette fois. Donc j'espère que ça voilà, vous plaira autant que la première. Ouais. Ouais, enfin au calme, on a passé du temps quand même. Putain, comment s'est fait couiller au début. Mais j'ai vraiment ragé, je vous mettrai peut-être peut-être qu'en fin de vidéo je vous mettrai le moment où on est mort sur le secret d'avant. Parce qu'on a perdu genre 30 000 points chacun, on y a passé une heure quasiment. Donc j'ai un petit peu ragé à la fin. C'est pas comme si on avait attendu le zombie électrique plus d'une demi-heure quoi. C'était pas hyper violent, mais il a ragé. J'ai un peu ragé quand même hein. À la fin, j'ai un peu âgé, putain. C'est pour ça, Vali, il m'a dit, bon, vas-y, tu sais quoi, ce soir, on le refait. Comme ça, ce sera fait. J'ai dit, ouais, t'as raison, on va le refaire. Donc là, j'espère que ça va marcher cette fois. En plus, c'est pas un secret compliqué, hein. Transit, c'est le secret le plus simple de Black Ops 2, clairement. Mais voilà, y a ce côté chiant où faut courir après la boîte, faut passer d'un morceau de la ville à l'autre, faut attendre le zombie électrique. Et ça t'as pas sur les autres secrets, c'est ça qui est un peu chiant quoi. Voilà, en tout cas on y est. On va se faire une petite boîte. Et là je one shot l'IUM. Waouh. Un 5-7. Vas-y fais. Oh y'a l'orage. Oh mec, si on peut se bouger le cul ce serait nickel. Ah double 5-7. Vas-y, mets-toi, mets-toi. Mais à tous les coups ça va nous faire comme avant mec. On va arriver au truc et il va se barrer le. Vas-y à toi. Et l'orage il va se barrer. Parce qu'en fait pour ceux qui connaissent pas, quand vous avez un énorme orage comme ça et que vous terminez la vague, vous avez le zombie électrique qui a à peu près une chance sur deux d'arriver sur votre gueule. Et nous c'est ce qu'on veut en fait. Ok, Python. Ah c'est bon, il a déjà fini l'orage. Et le problème c'est qu'il faut qu'il nous tombe sur la gueule, mais sous l'obélisque. Fais le tourner, hein, fais le tourner dehors. Le laisse pas rentrer. Hein. Pendant que je fais des boîtes, fais le tourner. Hein. Ah, putain, ma voix. Tu la vois pas là? Il y avait la lumière de Richthofen sur la boîte. Et moi je la vois pas. Hein. Putain, c'est chelou, pourtant on l'a fait tous les deux. Nounours, allez, c'est parti. À la recherche de la boîte magique. Attends, je vais rester là pour essayer de voir où elle est. Ah, fais chier, il part. Parce que si elle est au dépôt, on descend vite. Hein. Ah merde, il est rentré le zombie. Fais gaffe. Vas-y, va à l'autre bout, va à l'autre bout. On la tire chacun notre tour. Viens.
Non, mec. On l'attire chacun notre tour. Comme ça, on le fait bugger au milieu. Viens, viens, viens. Tu vois, il se retourne et après il va se rattraper. Oh mec, tu galères, par contre. Faut qu'on fasse chacun notre tour. Moi, je fais juste d'avancer, c'est juste que le zombie galère. Regarde, mais. Là, t'avances, tu recules, t'avances, tu recules, t'avances, tu recules. Regarde cette merde là, tu vois cette merde? Il sait pas quoi faire. C'est la méthode la plus casse-couille. Tu me bloques. Tu me bloques. Viens mon petit négri, on va s'occuper de toi. Oh, il a tenté de me mettre une double baffe, l'enfoiré. Je t'ai vu hein. J'étais vu. Ouais, c'est pas passé loin, dis donc. Voilà, à partir de maintenant, on a plus le droit de mourir, sinon on baisse nos points dans la banque. Genre, ce que Valifan vient de faire, par exemple, c'est... Mais viens pas vers moi. Mais écarte-toi, viens pas vers moi. Et là, il me mettait une double baffe, mec. Je pleurais. Genre, je cassais tout chez moi. Attends, alors la boîte... Ouais, je pense qu'elle est à la ville. Elle est derrière l'arme. Vite, 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 on l'enferme dehors. Et bon. Voilà, nous sommes arrivés. En fait, la boîte était au dépôt. Donc, on a bien le seum. Mais je vous ai coupé le moment parce que c'était plutôt chiant. C'est quoi comme arme, dis-moi? Fal. C'est un fal? Ouais, c'est fal. Je vais pas prendre, je te tiens le zombie. Oh le con, il monte sur le toit. C'est bon, tu t'amuses bien. Couteau balistique. Oh, j'ai des couteaux balistiques avec le couteau. Oh mec, c'est trop stylé. Putain, j'avais jamais vu ça. C'est énorme. Je vais chuter par contre au niveau des coups de cœur. Genre, t'as un couteau qui est énorme. Vas-y, je te le prends le zombie. Va faire tes watts. Putain, on va être juste en nombre de points. J'espère qu'on va pas devoir retourner à la ville, puisque là ça me casserait bien les couilles là. Allez, s'il vous plaît, fais tourner Michael. Vas-y, fais tourner Bobby. Ça a dû limite garder le couteau balistique avec le machin, ça aurait été one shot là. Oh putain! Le sang de tes morts, le Joe! Je présente la partie bien casse-couille du secret de Tronzy. Oula, lui, non, il m'a fait mal. T'es passé? Merde, je vais pas passer, je vais pas passer. Je suis mort. Me dis pas que tu meurs. Hein. Me dis pas que tu meurs. Je meurs, ok. Je pense que tu peux venir. Tu peux revenir, mec. J'arrive. Faut juste que je me fasse pas bloquer par le trottoir. Putain, j'ai pas eu de chance, mec. Dès que j'ai tué le premier, le deuxième il m'a tout de suite sauté dessus. Et genre, il m'a pas laissé de temps. Non, tu peux pas là. Reste dans la ville, reste dans la ville, reste dans la ville. Tu peux pas me ranimer en dehors. Mais je sais, mais je voulais tenter. Putain, y'a le zombie qui est collé à moi. Y'a le zombie qui est collé à moi. On va aller en vague de néant. Non. Viens. Là, c'est bon, là, non? Oh, mec, t'es sérieux? T'étais où? Bah, moi, j'étais parti pour faire des boîtes. Tu me disais de peu. Mais, mec, j'étais. Oh, j'ai visé. Oh, nice. Mais, mec, j'étais rentré dans la ville. Pas venu te chercher, mec. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fout, on est vague 2. Mais j'étais rentré dans la ville, mec. Hein. GIGM, donc c'est toi qui vas faire la pâte du coup. Ouais, putain, ça va être chaud. Oh, j'ai la RPD. Oh, nice. Ok, donc là on est bien là. GRPG 7. De toute façon, si j'ai pas l'arme que je veux, j'ai encore mes points dans la banque. Par contre, s'il vous plaît, j'aimerais bien juste un bon truc. Genre, est-ce que c'est si dur que ça?
Oui, oui. Oh là. En mode. Mec, il est arrivé le. Oui, mais allez-y, continue à me donner de la merde, y'a aucun problème. Mais oui, mais allez-y. J'ai tout mon temps. Putain, ça m'énerve. Galil, nice. Mais j'en veux encore une. Parce que là. Ouais, moi j'en ai qu'une. Mec, si on doit passer des vagues, j'aimerais bien en avoir une autre. Non, non, non. Putain! Attends, ça se trouve, il va respawn encore la ville. Attends. Ah ouais, comme la dernière fois. Ce serait bien. Parce qu'avec la Galil. Oh putain, j'ai plus le couteau de boucher! Oh, fait chier. Bon, je vais reprendre des points du coup. Non mec, on va pas avoir de chance, elle va pas respawn à la ville. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, négro, elle est pas là. Tu la vois la lumière? Ah oui, ça y est, je la vois, elle est là-bas. Oh la vache. Attends. Je crois que c'est la ferme. Voilà. Je crois que c'est la ferme. Mais viens, on s'en bat les couilles. Viens, on achète la K47. On achète la K. Ouais, franchement, on va faire ça. Attention, bus, attention. Attends, est-ce que j'ai besoin de prendre encore des points ou pas? 1200. Non. J'ai plus ma turbine, génial. Faut retourner chercher une turbine au spawn. Oh putain, j'ai pété un câble, mec. On a tout perdu. Et ouais, mais mec, j'ai besoin du couteau. J'ai besoin du couteau de boucher aussi. Donc on fait quoi là? Non, viens, on va d'abord en arrière et après on revient. Non, non, viens. Ah, quoi. Ah putain, cette game, elle m'énerve. Ça m'énerve, comment je suis mort, j'ai pas eu de chance. Dès que je l'ai tué, le deuxième il m'a sauté dessus. Vas-y, je reprends ma turbine. Tu m'entends, Iron? Ouais, ouais. Tu m'entends pas? Oh merde, ferme bien. Ouf. Il a failli rentrer. Bah merde, c'est le dernier zombie, hein, je crois. Vas-y, on est au diner. Ah, elle est là, la boîte. Bon, vas-y. J'aime pas jouer safe, je suis un fou. Alors, je vais faire des boîtes. Yes! Putain, là, fallait que j'ai un coup de chance parce que j'avais le droit que à deux boîtes. Galil HMR. Oh, mec, là, on est bien, là. Allez. Allez, viens, on se casse. Viens prendre le bus, on se casse. Le laser qui fait plaisir. Oh là là, je bande, magnifique. Galil HMR. Laser RPD, t'as quoi HMR? T'as RPD toi? J'arrive pas avec ça, GIM. Putain, ouais. Nickel mec. Là si on n'arrive pas à le faire. Du coup je sais pas si on. Là, là on est parti sur de mauvaises bases et après c'est bon. Ouais. Alors je sais pas si on attend, faut qu'on fasse un choix là, est-ce qu'on attend le gros orage ou est-ce qu'on monte haut dans les vagues? Je dirais d'attendre le grand... L'orage? L'orage quoi. moi je préférais mais... L'avoir vague 2... Ou alors faudrait monter au moins vague 4... Faudrait monter vague 4 ou 5 et là on attend l'orage. Parce que je crois qu'on a plus de chance. Parce que même si t'as l'orage et que tu termines la manche, t'as une chance sur deux que ça marche, je crois. C'est ça qui est plutôt chiant. Là, je suis à l'électricité, là. Il y a un magnifique cadavre de zombie qui bug. Oh putain, vite, il y a l'orage. Vite, on rush. Ah mais non! C'est vrai que le lac de lave il est pas là!
C'est bon, on va pas l'avoir le lac de lave. Il est de l'autre côté. La tour de Babel est bientôt. Allez vite, Négrillon. Ah, l'orage il est fini, mais il va revenir. Regardez, elle est là, cette magnifique tour. Ah non, c'est pas là. Ah si, c'est celle-là. Si. Regardez comme elle est belle. Elle est toute illuminée. C'est magnifique. Ok, donc on a dit... c'est gauche, droite. Gauche, droite. C'est bon, j'y suis. Ok, on pose nos deux turbines. T'es prêt? Tu au même endroit qu'avant. Ouais, voilà. T'es prêt? 1, 2, 3. Vas-y, reprends-la. Voilà, donc là, Maxis, il nous dit. Ouais, Maxis, il nous dit qu'il n'y a pas assez de puissance et qu'il faut plus de puissance. Là, je sais pas pourquoi il bug, il le dit plusieurs fois. Il faut attendre. Et à moins. Ah, c'est là. Écoutez. Là, il nous dit qu'il faut de l'énergie vivante. Et c'est pour ça qu'on doit buter le zombie électrique sous la tour. Tout s'explique. Donc là, on va attendre l'orage. On va vous faire une petite coupure. Et on va se faire chier pendant 20 minutes. Allez, à tout à l'heure. Ah, attends. La vache, c'est bon là. Et maintenant on prie. Il y a le gros orage, on a tué le zombie. Logiquement, il devrait arriver. Ok, t'es prêt? C'est là qu'il faut pas foirer. Attends. C'est l'orage qui accompagne le monstre du générateur. Il est là, je crois. Mon cul. Je sais pas, j'avais cru l'entendre. Allez, mais viens. Ah, j'en ai marre de ce secret. Putain. Pourquoi il vient pas? Tu m'expliques? On a fait tout ce qu'il fallait. Bon, vas-y, on continue, on fait les vagues, il va arriver à mon... Ouais, mais faut pas. Si on monte trop, on va encore mourir, mec. Viens, on va jusqu'à la vague 5 et on attend. On attend. Ah, ah, gros orage. Attends. Pas sûr. On tue. C'était pas le dernier. Il y a le bus qui vient de passer. Vite, c'est le dernier. Vite. Je l'ai eu. Oh, peut-être. Putain, s'il vous plaît. Ça fait 3 vagues d'affilée que ça aurait dû marcher. Allez, viens, mon grand, viens. Allez, il peut que venir, là. Il y a tellement d'orage qui reste. Non, mec, ça marche pas. Oh, il est là, mec. Où ça? À droite. Je la tire sous la tour. À droite. Je la tire. Putain, il nous touche, hein. Meurs pas, il est pas sous la tour encore. Faut la tirer. Recule un peu. Genre, sors un peu de la tour. Oh merde, la nuque. Attends. Il va me tuer. Recule. Je le tanque. Tente, lance. Tu l'as eu? It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Oh, oh putain. Non, j'ai eu en plus. Oh mon non. Dieu. Oh mon Dieu. On a
Putain, on a été trop machiné par la bombe, on a cru qu'il y avait plus de zombies. Oh mon dieu. Oh. Oh putain, il restait une étape de merde, il suffisait de poser les turbines. Oh mec, on était à ça. Là, j'ai le seum, là. Là. Oh, putain. Bah, j'ai pire que le seum. Putain. Une heure de... Ah, ça vénère, là. Oh, mec, pourquoi je suis resté là quand j'ai vu que t'étais mort. Qu'est-ce qu'il y a? Pas du pognon pour la refaire. Je pense pas qu'on va la refaire ce soir. Ouais, là, ça me saoule, là. Ah là, ça me casse les couilles. Non, mais faudrait refaire du pognon chacun dans notre coin, genre un petit peu quand on a le temps. Parce que là, il nous manque genre 5000 à peine dans la banque. Parce qu'on n'a pas tout pris. Hein. Et un jour, on le refait. Bon. Bah voilà. Deuxième échec sur le secret. Le deuxième secret le plus simple du jeu. Ça me casse les couilles. En plus, on l'avait eu, quoi. Mais le mec, on l'a eu. Oh putain. Ça m'énerve, voilà. Quand j'ai vu que t'étais mort, j'aurais dû partir tout de suite et je suis resté là comme un con. Il y avait un zombie derrière moi, j'étais rouge. Et je pensais que je savais pas si tu l'avais eu, du coup je suis resté là comme un con. Le mec électrique en fait, et du coup le zombie il m'a juste mis une baffe, il m'a terminé en fait. Bah oui, mais moi aussi. Genre j'étais rouge, il m'a terminé le zombie. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est encore un échec. Ce secret va vraiment commencer à nous faire rager là, parce que putain, le temps qu'on y a passé, ça commence vraiment à m'énerver. Enfin bon, on vous le fera une prochaine fois, cette fois on le réussira. Maintenant on connaît les trucs, hein. C'est, on l'a fait quoi, vague 5 du coup? Vague 5 il est arrivé. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça, je pense que la limite c'est vague 5. Donc maintenant on connaît à peu près les trucs, on va essayer de pas se faire couiller la prochaine fois. Et la prochaine fois, ce sera la bonne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'est un putain de fail et que ça m'énerve. Mais voilà, c'était Valieron pour un magnifique fail. Je vous dis à la prochaine tentative. Allez, ciao tout le monde!